Salut à tous, aujourd'hui on va revenir un petit peu sur la dernière image d'astrophoto que j'ai faite et on va faire ça en intérieur parce que j'ai pas le temps d'aller en extérieur et en plus ça me permet de faire ça. C'est tout à fait probable que j'ai des trous partout sur le corps mais c'est pas grave, c'est rigolo. Cette image de la nébuleuse du sorcier, elle a l'air de vous avoir pas mal plu. Et ça me fait plaisir parce que mine de rien, ça représente quand même 3 nuits de travail. Et aujourd'hui, je vous propose de voir un petit peu ce que c'est qu'une nébuleuse, qu'un amas d'étoiles. Et on va aussi voir comment, si j'avais eu plus de matériel, j'aurais pu améliorer l'image et avoir plus de détails sur la nébuleuse. Alors contrairement à ce que j'avais fait sur la vidéo sur Andromède, pour cette vidéo, on va pas se servir de mon image de la nébuleuse du sorcier, parce que même s'il est sympathique, vous allez voir, il manque pas mal d'informations, vous allez comprendre. Donc voilà mon image de la nébuleuse du sorcier, et voilà une image où il y a tout ce qui nous intéresse. Donc oui, quand je disais qu'il manque pas mal d'informations, c'était un euphémisme. Mais cette image, elle va nous permettre de faire apparaître le sorcier qui donne son nom à la nébuleuse. Mais juste avant que je vous le montre, dites-moi, honnêtement, je vous mets une fiche, qui, à ce stade de la vidéo, a été capable de voir un sorcier dans cette image? Parce que moi, je le vois pas du tout. Bon, si vous avez tous bien voté, je vais faire apparaître les contours. Alors oui, effectivement, pourquoi pas, on voit ici le chapeau du sorcier et ici on a sa jolie petite main. Mais bon, il manque quand même pas mal de trucs pour faire un sorcier complet. C'est pas comme par exemple la nébuleuse de la tête de sorcière qui, elle, pour le coup, ressemble vraiment à une tête et qui, je trouve, a vachement plus de gueule. On la fera un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Mais à la limite, peu importe, puisque de toute façon, on n'est pas là pour parler des noms des objets du ciel. On va plutôt parler de la découverte de cette nébuleuse. Alors, elle a été découverte en 1787 par quelqu'un dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur Andromède, et c'est Caroline Herschel. Alors, Caroline Herschel et son frère William Herschel, on risque d'en parler assez souvent parce qu'ils ont été assez productifs, mine de rien. Et elle est située à 7000 années-lumière de chez... Alors, la nébuleuse, hein, pas Caroline. Mais de quoi est-ce que tu parles? Bah, c'est la nébuleuse qui fait 7000 années-lumière de diamètre, pas Caroline Herschel. Oh, putain, oui, d'accord, ok. Non, mais c'est bon, laisse tomber. Merci, au revoir. Et la nébuleuse a une taille de 100 années-lumière. Mais moi, j'aime pas trop parler en années-lumière parce que bon, vous savez ce que ça représente, vous, une année-lumière ou 100, parce que moi, j'en suis complètement incapable. Du coup, je vous propose de voir les choses un petit peu différemment. Ce personnage étrange ici fait environ 1m75 de hauteur. Imaginons qu'on le ramène à la taille de la nébuleuse, c'est-à-dire qu'il fasse 100 années-lumière de hauteur. A votre avis, quelle serait alors la taille du système solaire en prenant en compte l'orbite de Neptune? On s'en fout du nuage de Oort et de la ceinture de Kuiper, on prend juste l'orbite de Neptune. A votre avis, quelle serait sa taille? Taille d'un œil, la taille de ses mains, je vous mets une fiche pour voter, pour voir ce que vous en pensez. Alors la taille du système solaire à l'échelle 200 000 années-lumière d'un humain, ce serait la taille d'une cellule. Mais on va pas se mentir, même dit comme ça, ça n'a aucun sens. C'est des échelles auxquelles on n'a pas du tout l'habitude d'être confronté. Pour vous donner le chiffre exact, le système solaire est 100 000 fois plus petit que la nébuleuse. On va pas se mentir, c'est quand même difficile de se représenter ça comme ça dans notre tête. Mais je trouve quand même que l'analogie rend mieux compte du gigantisme de cette nébuleuse. Et encore, la nébuleuse du sorcier, même si elle est plutôt grande, ne fait pas du tout partie des plus grosses nébuleuses qu'on peut trouver dans notre galaxie, voire dans d'autres galaxies. Enfin moi, tout ce que j'ai à répondre à ça, c'est... Mais maintenant, je vous propose qu'on parle un petit peu de composition. Pour comprendre la composition d'une nébuleuse, c'est très intéressant de regarder les couleurs qu'elle va émettre. Alors même si dans une image d'astrophoto, les couleurs ne sont pas toujours tout à fait fiables, on remarque qu'il y a quand même une zone relativement rouge et une zone qui est un petit peu bleu-verte. Cette colorisation, elle vient du fait que les atomes qui constituent ces grands nuages vont absorber des rayons de haute énergie émis par les étoiles à proximité, ce qui va les exciter et ils vont alors se désexciter en émettant des photons à des longueurs d'onde et donc à des couleurs très précises. Et l'analyse des couleurs qu'on va faire pour la nébuleuse du sorcier, c'est en fait le principe de base de la spectroscopie. Puisque en spectroscopie, on va analyser les longueurs d'onde qui sont émises ou absorbées par un nuage de gaz, une nébuleuse, l'atmosphère d'une planète ou même une étoile, pour en déduire sa composition. Alors évidemment, dans les faits, il faudrait calibrer proprement l'appareil photo pour savoir quelle longueur d'onde correspond à quelle couleur, mais là, ça va être un peu compliqué, donc on va faire ça. Dans le cas de la nébuleuse du sorcier, on va avoir deux principales couleurs.
on va avoir cette partie bleu-verte qui va correspondre à l'émission d'un atome d'oxygène doublement ionisé. Ce qui veut dire que les rayons de haute énergie des étoiles à proximité de la nébuleuse lui ont fait perdre 2 électrons. On donne souvent le nom O3 à cet atome doublement ionisé. On parle d'ailleurs de filtre O3 pour ceux qui ne laissent passer que cette longueur d'onde. Mais moi, je n'aime pas trop cette dénomination puisque O3, ça fait aussi référence à la molécule d'azote et donc ça porte un petit peu à confusion. Donc moi, je parlerai d'oxygène doublement ionisé. Et la deuxième couleur, qui est majoritaire dans le nuage et qui est composée de l'élément le plus courant dans l'univers, c'est de l'hydrogène ionisé. Dans le cas de l'oxygène ionisé, on était un petit peu entre le bleu et le vert avec sa longueur d'onde d'émission à 500 nanomètres. Mais pour l'hydrogène, on est à plus de 600 nanomètres, donc là c'est du rouge vraiment très très rouge. Mais bon, faire de la spectrographie sur ce genre d'image, ça reste très approximatif, dans le sens où, si vous cherchez sur internet, vous pouvez aussi trouver ça. Alors, cette image est pas fausse, hein. C'est juste que le traitement a été fait différemment, du coup les couleurs sont pas du tout les mêmes. Donc faire de la spectroscopie sans faire une calibration à l'avance, ça devient vite compliqué, on peut vite faire des erreurs un peu bizarres. En revanche, cette particularité qu'ont les nébuleuses d'émettre dans des longueurs d'onde très précises, ça a un avantage pour l'astrophotographie. Parce que, imaginons que j'ai un filtre qui filtre très précisément les 500 nanomètres de l'oxygène, les 600 nanomètres de l'hydrogène, on va pouvoir faire ressortir beaucoup plus les nuages en atténuant fortement la lumière des étoiles qui sont au premier plan. Et c'est comme ça qu'on passe de ce genre d'image à ce genre d'image. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que le rouge de l'hydrogène est tellement loin dans le rouge qu'on est presque un peu à la limite de l'infrarouge. Et sur tous les appareils photo, il y a des filtres qui vont filtrer l'infrarouge pour éviter d'avoir des couleurs qui ne correspondent pas à ce qu'on voit avec nos yeux. Mais du coup, ça va atténuer un petit peu la couleur de l'hydrogène. Et donc ça va encore baisser un peu la luminosité que j'ai sur ce nuage. Alors un jour je ferai défiltrer mon appareil photo, mais c'est pas pour tout de suite, donc pour l'instant je peux pas faire des super belles photos sur des gros nuages d'hydrogène. Bon, je pense qu'on a assez parlé de nébuleuses et de nuages de gaz pour aujourd'hui, et je t'interdis de faire une blague qui constitue un gros nuage de gaz qui soit d'une couleur proche du vert et radioactif, sinon je te jure que je t'en mets une. Allez, juste une petite... Non, j'ai dit que tu le ferais pas. Bon, si j'ai plus le droit d'intervenir, moi aussi. Bon, bref, du coup j'en étais où ? Oui, je disais qu'on allait passer à un autre objet qui est aussi dans la nébuleuse du sorcier, mais qui n'est pas forcément aussi simple à voir que les nuages de gaz. Et pour ça, il faut comprendre la différence entre cette image et celle-ci. Sur l'image de gauche, vous avez une image du ciel prise proche de la Grande Ourse, sans aucun intérêt particulier, dans le sens où toutes les étoiles que vous voyez sont très éloignées les unes des autres. Il y en a des proches et pas très brillantes, et des très éloignées et très brillantes. Alors que sur l'image de droite, dans l'amas que vous voyez au centre, toutes les étoiles sont relativement proches les unes des autres. Alors elles sont proches à l'échelle cosmique, donc il y a quand même plusieurs milliards de kilomètres entre elles. Mais le fait est qu'elles sont suffisamment proches les unes des autres pour s'influencer gravitationnellement. Et on trouve justement un amas stellaire dans la nébuleuse du sorcier, et ce sont les étoiles de cet amas qui vont avoir tendance à ioniser le gaz. Mais ce n'est pas un hasard que toutes ces étoiles se retrouvent ici, puisque les nébuleuses, c'est ce qu'on appelle aussi des pouponnières d'étoiles. Oui, pouponnières d'étoiles. En fait, ces nuages de gaz ont une densité extrêmement faible, de l'ordre de quelques milliers d'atomes par centimètre cube, à comparer aux milliards, 2 milliards qu'on peut trouver dans un centimètre cube d'air sur Terre. Oui, ça fait beaucoup. Mais même si leur densité est extrêmement faible, ces nuages sont gigantesques et donc ils contiennent une très grande quantité de matière. Et cette matière va avoir tendance à se comprimer sous l'effet de la gravité dans des points où la densité est peut-être un petit peu plus élevée qu'à d'autres. Et plus la densité va augmenter, plus la température va faire de même jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait des réactions de fusion thermonucléaire qui s'enclenchent et qui donnent naissance à de nouvelles étoiles. Du coup, c'est pas trop un hasard si on trouve un amas à cet endroit, puisque bah, les étoiles qui le constituent viennent de la nébuleuse. Et comme les nébuleuses vont avoir tendance à transformer une bonne partie de leur matière en étoiles, ce sont des structures qui ont des durées de vie assez courtes, de l'ordre de 10 à 100 millions d'années, ce qui est assez court à l'échelle stellaire. Et la nébuleuse du sorcier et donc les étoiles qui composent l'amas ont un âge de environ 4 millions d'années. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le même âge que Lucie, qui est un fossile de l'espèce Australopithecus afarensis. Donc au final, on peut dire que c'est assez jeune. Même si le fossile a 3,2 millions d'années, mais bon, à ce stade, on n'est plus à 800 millions d'années près. Dans le futur, les formations d'étoiles vont continuer dans la nébuleuse du sorcier jusqu'à ce que tout le gaz ait soit été transformé en étoile, soit ait été soufflé dans l'espace interstellaire par la pression de radiation des étoiles environnantes.
Mais même une fois que la nébuleuse aura disparu et qu'elle ne sera plus visible dans le ciel, nous pourrons continuer à voir les étoiles auxquelles elle a donné naissance sur une durée de quelques millions à quelques centaines de milliards d'années pour celles qui auront la plus longue longévité. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de tenir un maximum compte des commentaires que vous m'aviez fait lors de la dernière vidéo, notamment sur le son. Bon, là on était à l'intérieur, donc c'était un peu plus facile pour le traitement du son. Et pour le fait que je parle trop vite. Alors vous avez raison, hein, je parle trop vite. J'essaie de m'améliorer. C'est pas forcément facile parce que c'est une habitude que j'ai prise et qui est bien ancrée, mais je vais essayer de faire de m'améliorer. D'ailleurs, dites-moi si c'était mieux pour cette vidéo. En tout cas, pour le reste, je pense que c'était pas trop mal. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé et à partager. Bref, ciao les gens et à la prochaine.